Nous nous adressons à l'ensemble des jeunes qui voient la vie politique comme un effort de construction. On ponctionne immédiatement des cotisations sur la population active et immédiatement on peut le redistribuer. On est en contact avec les électeurs, on est en contact avec le département, avec les autres collègues du Conseil général. Le problème, c'est pas de rester au bord de la route, le problème, c'est d'être sur la route, même un petit peu en avance. Au moment de ces élections-là, notamment présidentielles, on verra bien quel est celui qui correspond le mieux au projet qu'on est en train de définir. Elle a appelé un ami tout simplement à Paris qu'elle connaissait pour avoir traité des problèmes d'entreprise en difficulté dans sa région, c'était donc moi. Pourquoi un jeune adhère-t-il à l'UDA en 1967? Il adhère pour deux raisons. Il adhère d'abord pour des idées et ensuite pour une équipe d'hommes. Ces médecins restent beaucoup plus fous que sages et j'espère beaucoup plus efficaces que pontifiants. Nous ne négocierons pas la réforme, nous ne l'amenderons pas, nous pensons qu'elle est inacceptable. Nous les jeunes, nous n'avions pas le droit de participer à la construction de cette société que nous allons vivre. Puis le sommet va se poursuivre par le sommet des chefs d'État, le 12 et 13 juin. Les Françaises et les Français, ils se sont donné à eux-mêmes un grand espoir. Dans ces conditions, j'ai essayé effectivement de me battre avec toute ma population. Pas trop angoissé? Si, un petit peu, mais c'est normal. Vous allez penser à quoi en rentrant sur le terrain? Oh, rien du tout, je sais un match comme les autres. Après, je suis parti à Palaiso pour aller ensuite à Viry, jouer à Versailles. C'est bon. Pendant, ça. Pendant ma dernière année à Viry et ma première, enfin donc ma seule à Versailles, j'étais ici 2 ans avec La Fontaine. On est tout ensemble, on essaie de se motiver, de s'encourager quand il y en a qui jouent, sinon on reste ensemble et puis on s'amuse bien. Jouer en première division, c'est le top niveau pour un jeune. Lorsqu'on est sur nos formations, on espère toujours jouer au plus haut niveau, mais on ne s'attend pas que ça soit aussi vite. Quoi. Tu t'entraînes combien de temps par jour? 5 à 6 heures par jour. Et tu vas en faire ton métier? Oui, quand même. Enfin, essayer d'aller au plus haut niveau, faire des spectacles. Là, ich sehe viel Wert drauf, wir viel content mit den Spielern zu haben. Und auch, wir haben Spezialist im Verein, wie sich um sie bekümmert in dem Standpunkt. Et j'aime bien ce genre de match, quoi. J'aime le jeu à la britannique parce que c'est un jeu où il y a énormément de ballons aériens. Bon. Et j'aime bien ce genre de match, quoi. Non, non, la porte, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de devenir l'entraîneur? Oui, bien sûr, tout à fait d'accord. Ah oui, en principe déjà. En principe. Et les objectifs, c'est quoi pour cette saison? En fait, les objectifs, c'est de faire aussi bien que les deux saisons précédentes. Je vous propose de voir tout de suite la composition des équipes qui vont s'affronter cet après-midi sur cette pelouse. Un grand espoir, Sébastien Chabal, au poste de flanqueur. Comment tu t'appelles? Gaël. Gaël, mon fils. Moi, c'est à peu près un idole et ça arrête d'être dans les 10 premiers mondiaux. Ça va mieux que l'année dernière. Je sais pas parce que j'ai pas encore une note, mais je trouve que ça va. Ça va mieux que l'année dernière. Bon, je veux dire, c'est pas non plus comme un super cool parce que Volcan est venu faire un bon match sur Bordeaux.